Ce soir, on a la chance de vous recevoir à l'invitation de la Priorité Logement. Donc, la Priorité Logement, c'est quoi? C'est qui? En fait, c'est les citoyens et les citoyennes de Rosemont qui se préoccupent de l'accès au logement et qui décident de se rassembler plusieurs fois par mois pour se donner de l'information puis pour s'organiser, en fait, pour mener des actions qui, on l'espère, vont permettre d'améliorer les conditions de vie, la qualité de vie des locataires dans le quartier. L'invitation ce soir, c'est dans le cadre des élections municipales. On s'est dit, élections municipales, quel beau moment pour rappeler à la ville qu'elle a des responsabilités pour améliorer la condition de vie des locataires. Et donc, on veut ce soir essayer de faire un portrait de l'état des lieux au Québec. Le droit au logement est-il respecté? Il y a toujours une exclusion due à la pauvreté, due à une multitude de choses. Puis on vit dans un monde qui est exclusif, pas inclusif. Et puis on parle aussi, on ne parle pas assez de dignité, parce que tout et chacun, on a une dignité. Moi, je suis bien placé pour en parler. Et je trouve qu'on doit mettre en valeur la dignité de l'être humain. C'est notre droit fondamental. Alors je pense que c'est ça qu'on doit revendiquer comme tout et chacun. Parce que nos élus, là, tous ces gens, pourraient se trouver absolument dans une situation pour maintes raisons, une question de maladie, pour un divorce ou je ne sais quoi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sans-abri, des sans-abri. Et puis il y en a une quantité. L'ancien maire de Montréal disait, c'est comme les pigeons, il ne faut pas leur donner à manger, ils vont quitter la ville. Mais moi, je trouve que c'est une horreur d'exclure. On est tous et chacun concernés. Il faut qu'on se sente tous concernés et puis on doit agir et puis le faire savoir. Moi, que ça me fâche, okay, c'est qu'on dirait que ce monde est fait pour les riches et pas pour les pauvres. Ils construisent beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de condos, puis ils oublient les pauvres pour conduire, pour faire des appartements. Tout le monde, le salaire ne monte pas. Puis je ne sais pas comment le monde y arrive pour payer leurs appartements, le manger et tout ça. Là. Fait que je pense qu'il n'y a pas une loi pour les pauvres. C'est seulement pour les riches. Les riches ont le droit de vivre, puis les pauvres non. Je trouve ça choquant de voir la situation du logement puis de voir que nos élus font pratiquement rien. On sait que les besoins en logement social sont criants, puis, mais on continue à construire des condos. Fait que c'est contradictoire un petit peu. Là. Les politiciens qui vont se dire social-démocrate aussi ou ça. Et tu vois, dans le fond, tout ce que c'est à ceux qui cherchent à plaire, ben, c'est le, qu'est-ce qu'on pourrait appeler leurs petits amis financiers. Donc, c'est surtout ça le problème. Donc, et ça fait longtemps. Comme combien de fois qu'on sent même des citoyens d'une certaine catégorie, que tu en as pour leur parler de quelque chose, d'un problème, que ce soit le logement ou peu importe. Ah, ben, c'est encore tu mets les taxes qu'on va prendre ça. Donc, tout le temps, la même maudite manie, un peu comme genre, t'es pauvre, ben, faut que tu te contentes de juste pour dire que tu survis. C'est-à-dire, t'es pauvre, t'as pas le droit de vivre, t'as juste le droit de survivre. On a la chance d'avoir François Saillant du Frappru qui va venir nous expliquer quels sont les rôles et les responsabilités spécifiques de la ville en matière de logement. C'est quoi les responsabilités de chacun des paliers de gouvernement? Et c'est clair qu'il y a des paliers qui ont plus d'argent que d'autres. C'est notamment le cas du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, il est intervenu historiquement dans le domaine du logement par le biais de l'argent, par le biais de subventions. D'ailleurs, on en parle à un moment donné que c'est à veille de se terminer pour une partie des cas, mais historiquement, le gouvernement fédéral a joué un grand rôle. À peu près 85 % des logements sociaux qui existent au Québec, il y a eu de l'argent fédéral là-dedans. Il y a encore de l'argent fédéral. Par exemple, tous les HLM, il y a de l'argent fédéral là-dedans. Une majorité d'argent fédéral, beaucoup de coopératives d'habitation, notamment des coopératives qui sont réalisées dans les années 80, début des années 90. Il y avait de l'argent fédéral là-dedans. Donc, le fédéral est beaucoup intervenu par ce biais-là. Le gouvernement du Québec, évidemment, lui aussi met de l'argent, mais il y a des pouvoirs plus grands que ça. Le gouvernement du Québec, notamment, c'est lui maintenant qui élabore les programmes. Un programme, par exemple, comme Accès Logis, je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent dans des logements Accès Logis ici, des coopératives ou des OSBL ou qui ont des projets qui sont en cours, mais ça, le gouvernement
du Québec, c'est lui qui élabore ces programmes-là. Outre de faire ça, d'élaborer des programmes, c'est le gouvernement du Québec qui intervient au niveau des lois, par exemple la loi sur la régie du logement. C'est le gouvernement du Québec, sur la loi sur la régie du logement. Le gouvernement du Québec adopte des règlements aussi ou adopte des balises qui compromettent au marché privé de l'habitation. Si le gouvernement du Québec en avait la volonté, il pourrait modifier le code du bâtiment pour faire en sorte que tous les immeubles à logement construits à l'avenir répondent aux critères d'accessibilité universelle. Donc, pour que tout le monde qui puisse avoir accès au logement, peu importe leur limitation fonctionnelle. Et ces logements-là sont accessibles à tout le monde. Donc, il y a des grands pouvoirs au niveau du gouvernement du Québec. Fait que là, vous allez peut-être me demander, oui, mais là, si le fédéral a l'argent, le gouvernement du Québec fait tout ça, c'est quoi qui reste aux villes? Il reste quand même des choses importantes. Je tiens à vous dire, par exemple, que Montréal est une ville complexe. C'est pas Victoriaville, ça sera plus simple que ça comme explication, parce que c'est pas Victoriaville, c'est pas important, mais ce que je veux dire, c'est que dans leur cas, il y a une ville. Dans le cas de Montréal, il y a une ville, il y a un palier municipal, il y a une communauté métropolitaine dans laquelle il y a beaucoup de villes, et il y a ce qu'on appelle les arrondissements. L'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, dans lequel on reste tout le monde, c'est un arrondissement qui a des pouvoirs aussi en habitation. Donc, il y a des fois, je vais parler du pouvoir de la ville, mais je vais essayer d'expliquer quand est-ce que c'est un pouvoir d'arrondissement. Parce que le gouvernement du Québec a confié des pouvoirs à la ville, et la ville, à son tour, les a confiés aux arrondissements au début des années 2000. On est un peu là-dedans à Montréal. Donc, parmi les pouvoirs qu'il y a, c'est de favoriser le développement du logement pour les gens, peu importe leur revenu et peu importe leur situation. La ville a un pouvoir là-dedans. Quand la ville élabore ou l'arrondissement élabore ses plans d'urbanisme, ses plans d'aménagement, souvent on tient compte juste d'un aspect qui est le développement immobilier. On tient compte juste du fait que ce qu'on veut, c'est grossir l'assiette foncière, l'assiette fiscale de la municipalité, parce que vous savez que ce qui se paye en taxes foncières, c'est à même ça que la ville finance ses activités, et qu'il y a certains types de développements qui payent plus, qui sont plus rentables pour l'assiette fiscale de la ville que d'autres. Donc, on va plus favoriser notamment le développement de condos, de condominiums, parce que c'est vu comme étant une activité qui est plus rentable pour la municipalité. Donc, tu pourrais décider, au contraire, d'avoir des plans d'aménagement, d'urbanisme qui tiennent compte du fait qu'il y a des gens à faible revenu. Montréal est encore peuplé, malgré les fusions, est encore peuplé aux deux tiers par des locataires. Parmi les grosses villes au Québec, c'est la seule, donc c'est encore le cas. Mais à Montréal, c'est vraiment une ville de locataires encore. Et parmi ces locataires-là, il y a une bonne partie de gens à faible revenu. Donc, tu pourrais penser des politiques en fonction de ces gens-là. Et tu as l'impression, à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous écoutez, si vous suivez comme moi les élections municipales, la campagne commence, mais on peut dire qu'on est en campagne depuis un bout de temps. Quand est-ce qu'on entend parler des locataires? Pourtant, c'est une bonne partie de l'électorat, c'est des locataires. Or, ça n'a pas l'air important. On a invité l'ensemble des candidats à la mairie de Montréal, candidats et candidates à la mairie de Montréal, à participer à un débat, et la réponse qu'on a eue, c'est non. C'est la première fois qu'on a ce type de réponse-là, alors pourtant que les locataires représentent toujours une part importante. Pourtant, on va aller faire un débat à la Chambre de commerce. Je ne pense pas que les commerçants à Montréal représentent une si grosse partie de la population que ça, ou les industriels représentent une si grosse partie de la population que ça, mais ils ont du fric. Donc, c'est une chose que tu pourras faire, avoir des plans d'urbanisme, d'aménagement qui tiennent compte du monde. Tu pourrais aussi faire en sorte de faire des pressions auprès des gouvernements supérieurs pour qu'ils mettent plus d'argent en logement. La ville de Montréal, depuis un grand bout de temps, je dirais même sous Jean Drapeau, on remonte loin, a toujours, quand le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral mettait à la disposition de la municipalité des logements, ils sont toujours utilisés. Mais ils n'ont jamais joué un très, très grand rôle pour dire au gouvernement supérieur, hey, regardez, c'est quoi la réalité? Y a-t-il moyen que vous fassiez plus que ça? Et de faire des pressions. Quand le Grand Prix de Montréal a été mis à Grand Prix automobile, à un moment donné, avait cessé ses activités, le maire de Montréal est monté aux barricades
pour dire que ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas avoir une grande ville comme Montréal sans un grand prix. Pourtant, je pense que c'est plus grave pour moi qu'une ville ne loge pas bien son monde, ne soit incapable de loger bien son monde et qu'il y ait autant d'itinérance que présentement que d'avoir un grand prix. Et pourtant, on n'a pas fait le même. Les maires, c'est pas juste le maire Tremblay avant, là, l'ensemble des maires qui se sont succédés n'ont jamais fait grand tapage là-dessus. Donc, c'est une autre chose qu'ils peuvent faire. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle réserver des terrains à des fins de logement social. Constituer des réserves de terrains, puis faire en sorte que quand la ville est propriétaire de terrains elle-même, ça arrive souvent même, bien qu'elle les mette, qu'elle les réserve à des fins de logement social ou d'autres formes de développement communautaire, mais plutôt de faire en sorte que systématiquement, dès qu'il y a un terrain qui est intéressant, il y a du monde qui spécule dessus, puis que ce terrain-là, il est destiné à peu près toujours à la même utilisation, au même usage, c'est-à-dire du condominium. Parce que c'est clair que si tu ne réserves pas un terrain à des fins de logement social, en tout cas, si vous avez été impliqué au comité logement Rosemont, puis dans des développements de logements coopératifs ou sans but lucratif, vous le savez, ça prend du temps. Puis tu as des subventions gouvernementales, donc tu es soumis à certaines règles. Quand tu fais concurrence avec le privé qui, lui, n'a pas ces règles-là, n'a pas ces obstacles-là, c'est clair que tu es toujours perdant. Et c'est ce qui se passe à Montréal présentement, dans cette bataille-là pour des terrains, pour la disponibilité de terrains ou d'autres sites, là, des immeubles vacants. Tu es toujours perdant quand tu t'affrontes au privé. Et c'est pour ça que c'est important que la ville ou les arrondissements, parce que c'est un pouvoir aussi qu'ont les arrondissements, bien, de réserver des terrains à des fins de logement social. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, dans le domaine du logement social, des grands rôles qui peuvent être joués par la ville ou par les arrondissements et par les deux. Là. Parmi les autres pouvoirs que la ville ou les arrondissements ont, dans ce cas-là, c'est plus les arrondissements, à part quand c'est des cas majeurs, il y a toute la question de l'insalubrité des logements. Vous savez qu'à Montréal, c'est un problème qui est énorme, ce problème-là d'insalubrité des logements. Il y a à peu près un logement locatif sur 10 qui a besoin de rénovation majeure. Et souvent, au centre de ces problèmes-là, il y a des questions d'insalubrité. Bien, les moisissures, ça a des impacts sur la santé des gens. Là. Ça a des impacts majeurs. Habiter dans un mauvais logement, ça a des impacts sur la santé des gens. Et dans certains cas, ça peut avoir des impacts même sur leur sécurité aux gens. Montréal a un code du logement. La ville de Montréal a un code du logement qui, on dirait que c'est sûrement au Québec, le meilleur code du logement qui existe, c'est celui de la Ville de Montréal. Sauf que c'est une chose d'avoir un bon code, c'est une autre chose que ce code-là soit respecté. Pour faire ça, ça prend des inspecteurs qui agissent en prévention, là, de façon idéale, qui agissent en prévention. Pour faire ça, bien, ça prend des ressources. Et c'est là qu'il y a le problème à Montréal. Maintenant, la Ville de Montréal s'est dotée dans les dernières années. C'est un des bons gestes qui ont été posés par l'administration Tremblay, de ce qu'on appelle des super inspecteurs. Là. Vraiment des gens qui ont des pouvoirs d'intervention lorsqu'il y a des problèmes majeurs. Vous avez sûrement entendu ce nom-là, même s'il n'y a pas beaucoup de logements dans Rosemont, à ma connaissance, mais un propriétaire qui s'appelle Jim Batista. Il a été condamné fois après fois, après fois, après fois, parce que ses logements sont à mauvais état. Il a encore le droit d'être propriétaire. Moi, personnellement, ce que je souhaiterais, c'est qu'il existe un pouvoir de faire en sorte que tu puisses exproprier ce genre de propriétaire-là et de le faire sans indemnisation ou avec un minimum d'indemnisation. Fait qu'après avoir fait du profit en laissant des logements, en louant des logements complètement détériorés, des taudis, en plus, ils font du profit en vendant leur immeuble. Je trouve que quelque chose qui ne marche pas là-dedans. La Ville n'a pas ce pouvoir-là pour l'instant, mais je pense que c'est une chose qu'il faudra demander quel est ce genre de pouvoir-là pour les propriétaires aussi extrêmes que ça. Là. On ne parle pas d'un propriétaire qui n'a pas beaucoup d'argent pour entretenir ou qui est un peu négligent. Là, tu ne parles pas de ça. Là, tu parles vraiment de gens qui agissent comme des criminels dans ce domaine-là. Donc, il y a un pouvoir d'intervention, mais pour faire ça, donc il faut faire en sorte que les arrondissements et dans les gros cas, la ville, puissent avoir les ressources qui sont suffisantes pour intervenir avant que tu arrives à ce point-là. Là. Que tu sois obligé, quand tu interviens, souvent la ville, quand elle intervient, est obligée, pour un premier geste qu'elle est obligée de poser, c'est de dire aux locataires, bien, on va être obligé de vous enlever de ces logements-là, on va être obligé de vous reloger. Et avant d'en arriver là, je pense qu'il faudra, il y a d'autres choses qui pourraient être faites, mais pour faire ça, ça prend des ressources. Fait que ça, c'est un autre point.
Un autre point, j'achève, c'est la question de la transformation de logements locatifs en copropriété. Vous savez qu'il s'est construit très, très, très peu de logements locatifs présentement à Montréal. Ça n'est jamais construit si peu depuis le début des années 2000. C'est vraiment désastreux comme situation. Et quand ils s'en construisent, c'est des choses qui ne sont pas accessibles financièrement. Mais non seulement il se construit peu de logements, mais on en perd des logements locatifs. Et souvent, les logements locatifs qu'on perd, c'est les logements qui sont à plus bas loyer. Pourquoi? Parce que ces logements-là, il y a des promoteurs ou des propriétaires qui utilisent toutes sortes de tours de passe-passe pour faire en sorte d'évincer leurs locataires, pour faire en sorte de transformer les logements en copropriété. Vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a des moratoires, souvent au niveau des arrondissements, on va faire en sorte, c'est le cas à Rosemont, petite patrie, que si le taux de logement inoccupé est inférieur à 3%, ce qui est le cas dans Rosemont, que tu n'as pas le droit de transformer en copropriété. C'est vrai, ça existe. Sauf qu'il y a toutes sortes de passes pour faire en sorte d'y arriver. Tu sais, au lieu de transformer direct de ton logement locatif en copropriété divise, ce qu'on appelle du condo là, dans le vocabulaire plus habituel, ben, tu passes par une autre formule qui est ce qu'on appelle la copropriété indivise. Et une fois que tu es rendu en copropriété indivise, ben, il n'y a rien qui t'empêche d'aller en copropriété divise. Par après, ce n'est plus un logement locatif. C'est plus considéré comme un logement locatif. Bon, la Ville, là-dessus, a des pouvoirs pour faire respecter mieux les interdictions, les moratoires. Cela étant dit, sur ce point-là, sur la question d'éviter cette passe-passe-là, c'est sûr que là, il y a un pouvoir qui existe plus au niveau du gouvernement du Québec et que la Ville devrait, je n'ai jamais entendu la Ville demander ça, la Ville devrait demander que la loi soit renforcée pour faire en sorte d'empêcher ce genre de passe-passe-là et de faire en sorte que toute conversion de logement locatif en copropriété soit empêchée. C'est une chose qui est, dans le contexte dans lequel on est, avec la rareté de logement locatif, c'est une chose qui, pour moi, qui s'impose. Là. Tu ne peux pas continuer à tergiverser là-dessus. Le dernier exemple que je vous donnerai de pouvoir des municipalités, c'est toute la question de s'assurer, dans la limite des pouvoirs qu'a la Ville présentement ou l'arrondissement, que les logements qui se construisent, les logements locatifs qui se construisent, soient accessibles universellement, effectivement. La Ville de Montréal, dans ses programmes de logement social, l'a favorisé dans certains cas. Je parlais tout à l'heure avec un monsieur dont je ne me souviens plus du nom, pourtant je devrais le savoir. C'est ça. Et ce qu'il m'expliquait, c'est que lui habite un logement, maintenant un immeuble qui est accessible universellement. Je sais que c'est aussi ton cas. Et pour moi, ça change beaucoup de choses. Et la Ville peut faire des choses là-dedans. S'assurer que l'accessibilité universelle, c'est valable pour les immeubles, c'est valable pour les bars. Je sais qu'il y a des luttes là-dessus aussi, les restaurants. Mais pour les immeubles à logement, il faudra faire en sorte que ça se fasse dans l'ensemble des immeubles, qu'ils soient privés ou sociaux. Évidemment, dans le cas où il s'agit de logements sociaux, bien, s'assurer que les subventions qui sont accordées par les gouvernements tiennent compte de cette nécessité-là pour pas que ce soit les loyers ou que ce soit le milieu, les groupes qui appuient ces projets-là qui doivent payer plus cher pour arriver à ce résultat-là. Bref, vous voyez qu'il y a des pouvoirs qui sont au gouvernement supérieur, il y a des pouvoirs que la Ville n'a pas, qu'elle devrait avoir et qui devrait demander au gouvernement supérieur d'avoir. C'est le cas du pouvoir d'expropriation dont je vous parlais, là, sans indemnisation, mais à tout le moins à indemnisation très, très, très basse, faire en sorte de ne pas encourager la spéculation. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est la transformation de logements en copropriété où la Ville devrait avoir des pouvoirs plus grands que présentement et les arrondissements, parce que dans ce cas-là, c'est les arrondissements qui peuvent aller plus loin, bien, être capables d'avoir vraiment des réglementations qui sont plus efficaces. Je pense que c'est important, dans des élections municipales, d'en profiter pour intervenir sur ces points-là et que les candidats, les candidates là, qui sont présentement dans un concours de beauté, j'ai l'impression, là, plus que d'autres choses, ben, qui se prononcent sur les vrais problèmes puis qui donnent des vraies réponses aux besoins concrets de la population de Montréal. Parce que quand tu parles de 65% de la population, pour moi, tu parles de la population de Montréal. Là. Et je ne comprends pas que de nos jours, tu puisses faire campagne sur des questions aussi importantes que ça et ne pas te préoccuper ces questions-là ou t'en préoccuper très, 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 très bien. Si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires ou que vous aimeriez approfondir, c'est vraiment le moment. Il y a une chose qui me choque. Quand nous avons des terrains
qui sont des terrains publics et que la ville les vole pour les vendre, exemple Préfontaine. Et ces terrains ont été volés, ils ont été vendus pour faire des condominiums. On a demandé d'en faire un centre communautaire, ça nous a été refusé. Mais je veux dire, quand on voit des choses comme ça, on devrait pouvoir le dénoncer. Une des recommandations qui est faite dans le rapport de la Commission populaire itinérante, c'est que les municipalités aient des obligations. À un moment donné, notamment à l'égard de la préparation de leur plan d'aménagement et d'urbanisme, qu'il y a des obligations légales. Vous savez que les villes et les arrondissements, c'est des créatures du gouvernement du Québec. Légalement, là, c'est des créatures du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec pourrait leur imposer des obligations. Une de ces obligations dont on parle dans le rapport que les commissaires ont identifié, c'est celle-là, là, qui a des obligations dans le plan, dans leur plan d'aménagement d'urbanisme, de tenir compte des besoins de la population à faible revenu qui habite sur leur territoire et se faisant du besoin de logement. Eux autres appellent ça logement social et abordable. Une autre des obligations qu'ils mettent là-dedans, c'est que les municipalités soient obligées d'avoir un code du logement. Ils parlent même d'un code de type du logement. Je vous disais, dans le code de Montréal, ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Le problème est que le code type, s'il y en avait un, serait inférieur même à ce qui existe à Montréal. Mais l'autre chose qu'ils disent, c'est que les villes devraient avoir des pratiques qui sont conséquentes avec ça. Elles aussi devraient avoir des obligations. Ça, c'est une chose. L'autre chose, dans la vie, on n'a pas le choix. Je m'en plains pas, mais il faut se battre pour faire en sorte de faire respecter tes droits. Et ça, pour moi, c'est un cas flagrant, le cas de Préfontaine. Je trouve que c'est vraiment scandaleux dans ce cas-là et que la réponse que l'arrondissement ait donnée à cette demande-là, entre autres d'avoir du logement social sur ce site-là et d'avoir un espace communautaire à l'ancien centre Préfontaine, il faut se souvenir que ça a une histoire. Ce terrain-là a une longue histoire. C'était là qu'était le refuge Merlin, je pense que ça s'appelait, mais qui un terrain qui a été fait à des fins, un développement qui s'est fait à des fins communautaires, qui a toujours été pendant des décennies à des fins communautaires, qui a servi à ces fins-là. Ça avait une histoire, il y avait des obligations testamentaires là-dedans qui n'ont pas été respectées compte tenu que l'immeuble, on a dit, on ne peut pas le garder. Et en plus de ça, ben, c'est là qu'il y a eu le squat en 2001, qui a quand même été un élément important dans la lutte pour le droit au logement ces années-là pour attirer l'attention sur l'importance de la crise du logement, de la pénurie de logement qui existait à cette époque-là. Donc, pour moi, il y avait toutes les raisons étaient là pour que ça ne soit pas ce que c'est là. Quand je vois qu'en 2032, les subventions pour les HLM, pour les coopératives d'habitation, ça n'existera plus, je me dis, il faut vraiment le penser d'une autre manière. Donc, pas s'attendre à ce que ça s'améliore nécessairement parce que des coupures, il y en a dans tous les secteurs, mais le penser autrement puis avoir d'autres initiatives peut-être pour faire en sorte que la ville sente qu'on ne veut pas juste avoir, mais qu'on veut aussi contribuer à la ville. Donc, ils en veulent des taxes municipales, ils veulent qu'on en... Bien, oui, il faut peut-être penser ces logements-là d'une autre manière. Et je me demandais s'il y a justement... parce qu'en ce moment, je commence un petit peu une recherche. Là, c'est une préoccupation très présente pour moi en ce moment, là, ça, le logement social, le logement communautaire, de repenser l'habitation. Je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont comme des façons alternatives de créer des coopératives ou tout ça? Je regardais, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le projet Cohabitation Montréal. Non, c'est un groupe qui s'est formé dans le but de créer... Ils cherchent un terrain. Ils se sont formés sous forme un peu coopérative avec une façon extrêmement démocratique de travailler, en sociocratie aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce mode de fonctionnement-là. Là. Et en fait, ils cherchent un terrain. Ils se sont formés un groupe en déterminant vraiment des besoins, de quelle façon ils veulent vivre en communauté, avec peut-être ils veulent construire un bâtiment ou rénover un bâtiment déjà existant. Fait que je me dis, ce genre d'initiative-là, citoyenne, de se mettre ensemble peut-être d'une manière différente que juste des coopératives telles qu'elles ont existé ou des HLM par le passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant d'autres initiatives dans l'arrondissement Rosemont ou à la Ville de Montréal qui existeraient puis dont on pourrait s'inspirer ou d'autres initiatives ailleurs dans le monde. Des coopératives d'habitation ou des OSBL d'habitation, dans le fond, c'est juste une forme juridique, ça. Là-dedans, il y a toutes sortes de projets.
qui sont très variés, puis ils s'en développent toujours de nouveau. Là. Des coopératives d'habitation, moi j'habite dans un certain type de coopérative d'habitation, qui est une coop, grosso modo une coop familiale, une mixité de population à la fois des gens qui sont des familles, des personnes plus âgées, des personnes de toutes sortes de nationalités, des gens à très faibles revenus, des gens à revenus moyens. Donc ça, c'est une formule. Il y a eu des coopératives qui se sont développées, moi je pensais à une dans le quartier Centre-Sud qui s'adresse à des artistes. C'est une chose qui existe. Il s'est développé des logements, mais souvent, tu avais l'impression que pour les aînés, bon, la formule coopérative, ce n'était pas une bonne formule, mais il s'est développé des formules qu'on appelle les coopératives de solidarité, où il y a des aînés qui sont là. Donc, il existe une tonne de possibilités là-dedans, et je regarde, si on parle d'exemple, il y a des pays européens. Ici, le logement social, toutes les formules confondues, là, ce qui existe comme logements sociaux, c'est grosso modo 10 % des logements locatifs. Là. Donc, un logement locatif sur 10, c'est un logement qu'on peut dire social ou social et communautaire. Si on voit dans un pays comme les Pays-Bas, par exemple, c'est plus que 60 % des logements locatifs qui sont des logements sociaux. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est s'assurer que les gens à plus faibles revenus aient leur place là-dedans. Parce que les subventions qui sont versées par le gouvernement, elles vont exclusivement à ces gens-là. La grosse raison qui a justifié la construction de ces coopératives d'habitation-là, c'était justement pour permettre qu'il y ait à la fois des gens à faible revenu et des gens à revenus un petit peu meilleurs qui puissent habiter là. Et là, c'est toute cette partie de ces gens-là qui n'auraient plus là. Fait que là, ça va devenir des coops pour classe moyenne. Je ne pense pas que que c'était à l'intention et que tout l'argent qui a été mis par les gouvernements, c'était dans ce but-là. En tout cas, ce n'est pas dans ce but-là qu'on s'est battu pour avoir ces coopératives-là, ça c'est clair. Combien de personnes on s'attend qui vont être touchées par ces coupures-là? Puis y a-t-il des solutions possibles? Parce que là, moi, selon ce que j'en suis, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça va avoir des répercussions immenses, là, c'est-à-dire... Donc, est-ce que c'est partout au Canada? Mais si oui, dans le fond, ça va être une panoplie de gens qui sont actuellement, par exemple, sur le bien-être social, des choses comme ça, qui vont se ramasser ni plus ni moins dans la rue. Là. Je ne vois pas c'est quoi l'autre chose qui peut arriver. Bien, c'est clair que le premier rôle que la ville pourra avoir, parce qu'effectivement, ça touche tout le Canada. Tu parles au total de 600 000 logements à travers le Canada. Là. Ils ne sont pas tous pour des gens à faible revenu, mais il y en a une grande partie qui sont des gens à faible revenu. Au Québec, tout le parc des HLM va être touché. Là, à Montréal, tu parles d'à peu près 20 000 logements. Là. C'est pas un enjeu qui est minable. Puis tu parles de logement coopératif, sans but lucratif. C'est pas loin du 20 000 aussi, entre tout ce qui a été développé. C'est usines Ingus. Ça a été avec des agents fédéraux là, à l'est de Saint-Michel. Il y a tout le moins un pouvoir de pression de la ville qui existe. De s'associer, entre autres, on peut penser que ça ne donne rien, mais... Il y a, à un moment donné, les maires des 10 plus grandes villes au Canada, vous savez que le gouvernement fédéral s'était retiré du financement de nouveaux logements en 93. Il s'était retiré totalement. Là. Puis ça a duré jusqu'en 2001, où il ne finançait plus du tout de nouveaux logements. Il continuait à financer les logements qu'il avait annoncés par le passé, mais il n'en finançait pas de nouveaux. Et il y a les maires des 10 plus grandes villes, on appelait ça le caucus des maires, qui ont fait pression pendant des années, ça faisait différent de ce qu'on voyait d'habitude, mais pour dire le fédéral doit revenir. Il est revenu, timidement par la porte d'en arrière, mais il est quand même revenu, puis ça s'est rendu jusqu'à l'ONU, où il y avait eu une condamnation du Canada par le comité qui s'appelle le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU. Ça, c'est une chose qu'il peut faire. L'autre chose qu'il peut faire tout de suite, c'est de dire, parce que vous savez que pour des HLM, et pour ce qu'on appelle des suppléments loyers, là, qui sont, par exemple, sur le marché privé, la ville paye 10 % de ces coûts-là. La ville pourrait dire, ben moi, je m'engage à ce que ma part à moi, mon 10 %, peu importe ce qui va arriver de la part des gouvernements supérieurs, moi, je vais le maintenir à ma part. Ça aiderait à faire pression. Si la ville fait ça, si le gouvernement du Québec fait ça à son tour, ben ça accroît la pression sur le fédéral. Si personne se mouille... Ben, le fédéral, il se sent bien libre de faire ce qu'il veut. Peut-être une question autoriste qui va dans le sens aussi des futures élections qui vont avoir lieu. Il va y avoir des débats bientôt à Rosemont, la petite patrie. Donc, à la mairie, ce serait quoi? Si, mettons, j'allais poser une question, moi, au candidat à la mairie, quelle question, par rapport au logement social, tu me conseillerais de poser? La principale, pour moi, c'est la question de la réserve de terrain. Ah oui, parce qu'à l'heure actuelle, il se développe tellement peu
de logements locatifs. Et même si le condo est en ralentissement, présentement à Montréal, il y a un certain ralentissement. On ne sait pas trop s'il est juste passager là, ou s'il va être plus durable. Mais malgré ça, à l'heure actuelle, à Montréal, là, depuis les 8 premiers mois, au cours des 8 premiers mois de l'année, il s'est construit 10 fois plus d'unités de condominium que de logements locatifs. Et là-dessus, il s'est construit à peu près pas de logements sociaux. Là. C'est vraiment désastreux la situation dans laquelle on est. Donc, si j'avais à en poser juste une, ben, je dirais ça. Puis ça, ils ont tous les pouvoirs de faire ça. Et il y a même des exemples historiques de ça. Jean Drapeau, qui n'était pas le progressiste par excellence, l'ancien maire de Montréal, il y a eu une politique à un moment donné d'achat massif de terres. Évidemment, ce n'était pas pour faire du logement social, mais il s'est mené une opération à l'époque qui s'appelait l'opération 20 000 logements, qui était des réserves, on parle de 20 000, là, c'est pas rien, là, où tu avais des réserves de terrain pour faire un aussi grand nombre de logements que ça. Donc, c'est une chose qui est possible. L'arrondissement du Sud-Ouest vient de mettre 2 terrains en réserve à des fins de logement social communautaire. Donc, c'est une chose qui se fait, l'arrondissement, les pouvoirs. Pour que ça soit plus massif, ben là, à ce moment-là, il faudrait que la ville intervienne parce qu'évidemment, elle a des capacités d'emprunt qui sont pas mal plus grandes que celles que les arrondissements peuvent avoir. Mais des arrondissements, pour donner un signal politique, peuvent le faire. L'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie pourrait le faire pour donner un signal politique, pas juste au niveau du discours, mais aussi au niveau des gestes. C'est-à-dire, ben, regardez, nous autres, on le fait. Là, on aimerait que la ville nous épaule pour faire plus que ça. Là. Puis par ailleurs, cela étant dit, il y a même une question d'économie là-dedans. Parce que si on avait, au début des années 2000, acheté beaucoup de terrains de bâtiments des fins de logement social, on peut se dire qu'on les aurait payés pas mal moins cher qu'on les paye maintenant. Parce que là, on a laissé aller la spéculation là-dessus. Ça fait en sorte qu'on paye pas mal plus cher. Donc, même du point de vue économique, de la rationalité économique, ce n'était pas un bon calcul. On vient de voir que, dans le fond, la ville, il y a des pouvoirs qu'elle n'a pas encore, mais dont elle pourrait se prévaloir, c'est-à-dire demander à avoir ces nouveaux pouvoirs-là. Mais il y a des pouvoirs qu'elle a déjà. Fait que là, on peut se demander, mais pourquoi elle n'use pas de ces pouvoirs-là dont elle jouit déjà? J'ai envie de vous entendre sur... Vous repartez avec quoi ce soir? Continuons la lutte! Oui, c'est important. Vu que c'est comme une... De base, de bien se loger, ça touche plein de gens. Puis ça veut dire que si tous ces gens-là se mettaient ensemble, une personne qui est en chaise roulante comme moi, une personne qui a des enfants, et une personne âgée, une personne régulière, si tous ces gens-là se mettaient ensemble, il y aurait des changements qui se passeraient. Les amis financiers sont plus épeurants pour les politiciens que la populace. Donc, il faudrait peut-être que la populace commence à mordre. Il va falloir jouer dur. Puis, il y a des fois, puis même à eux autres, il faut peut-être, excusez l'expression, être un peu salaud avec eux autres parce que c'est un malheur d'être trop gentil. Ils ne veulent pas. Donc, à quelque part. On ne doit pas laisser seul au comité des logements. À chaque fois qu'il y a une action, on doit aller dans la rue. Ou bien, toutes les choses qu'on a écoutées aujourd'hui, et on peut les transmettre à nos amis de bouche en bouche et pour qu'ils prennent conscience qu'il y a un comité de logement qui se bataille, qui lutte pour le bien-être social de tout Montréal et tout le Québec. Alors, parce que des fois, les gens, même ils n'ont pas une idée que ça existe, le comité de logement. Alors, je crois que c'est nécessaire et aussi prendre conscience d'aller distribuer la propagande, la publicité, on pourrait dire, au métro, à la sortie ou bien dans les rues principales. C'est ça que je dis que... On doit être combatif de plus en plus. Des fois, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais au moins, un petit grain de sable, ça peut devenir une montagne combative. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne pour se battre, pour leur montrer qu'il y a des nécessités. Il faut se battre. C'est le seul moyen qu'on va arriver.
Je pense qu'un des moyens de convaincre les gens de ça, parce que je pense que vous avez raison, c'est vraiment le bouche-à-oreille qui est le plus efficace en parlant à ses voisins, ses amis, ses parents, puis en espérant que les autres en parlent, les autres aussi, que ça fasse boule de neige. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. Quand on dit, je vous disais que j'habitais sur le terrain des usines Angus, c'était un énorme projet, ce truc-là. C'était un géant auquel on était confronté, c'est le Canadien Pacifique là, qui voulait développer cette terrain-là puis qui voulait faire un gros centre d'achat là-dessus. Bien, c'est le comité logement Rosemont qui a mené cette lutte-là et ça fait en sorte que les logements qui sont à l'est de Saint-Michel, bien, il y a 45% de ces logements-là qui sont des logements sociaux. HLM, coopérative ou SBL. Centre Paul Sauvé, l'ancien Centre Paul Sauvé, il y a une partie de logements sociaux qui sont là. Ce serait des nouvelles avenues qui est là. Ça ne serait jamais fait. S'il n'y avait pas eu une bataille, puis à l'époque, il n'y avait plus d'argent des gouvernements. Là, il fallait se battre pour qu'ils remettent de l'argent en plus pour que ça se fasse là, au Préfontaine, où vous habitez. Là aussi, c'est des pressions. L'hôpital Bellechasse, c'est autant de preuves que quand tu te bats, ça ne donne pas automatiquement des résultats. Mais je suis certain, tu ne t'étais pas battu, tu n'aurais pas eu par tous ces résultats-là. Là. Donc, c'est important de dire aux gens, les preuves sont là, ils sont concrètes, de dire quand on se bat, on peut gagner des choses.